je viens au rendez-vous économique, parce que bon, j'ai adhéré au rendez-vous économique, ça permet de rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, des artisans, beaucoup de métiers différents les uns des autres, et ça permet l'échange, tout simplement. Ce que je retiens, c'est déjà, j'ai pu découvrir un nouveau lieu que je ne connaissais pas, j'ai pu aussi découvrir d'autres professionnels, et puis une nouvelle façon voilà, de voir des personnes, de voir comment on pouvait aussi communiquer différemment. C'était très, très intéressant, ça permet de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres initiatives autour de l'économie sociale et solidaire. De quelle manière ça résonne en toi, l'économie sociale et solidaire? De quelle manière tu mets ça en pratique dans ton métier? C'est un sujet important parce qu'en fait, la naturopathie est encore une technique peu connue. On a beaucoup de scandales sanitaires, que ce soit pour l'alimentation, pour certains médicaments. Et les gens sont beaucoup à la recherche de solutions. Alors, je ne dirais pas que c'est des solutions alternatives, c'est plutôt des solutions complémentaires, mais elles sont peu connues. Alors que finalement, c'est tout simple, c'est à la portée de tout le monde. Et du coup, la naturopathie s'inscrit complètement dans ce cadre-là de la solidarité, finalement. Je viens d'ouvrir à Ancenis un espace, l'espace Hakuna, un espace de coworking où on trouve des postes de travail partagés. C'est un lieu justement qui va favoriser les échanges, qui va créer du lien social, mettre les gens en relation et puis créer des synergies. Moi, le but, quand j'ai créé Hakuna, c'était vraiment de permettre aux entrepreneurs d'avoir un lieu où ils vont pouvoir se retrouver, où ils vont pouvoir rencontrer à la fois des clients, des prospects. Hier, je voyais deux personnes, deux coworkers résidents discuter ensemble et déjà commencer à trouver des partenariats à faire. Et voilà, je les écoutais, je les regardais et j'ai dit, mais voilà pourquoi j'ai créé Hakuna.